Alexandre Rastoul, le procureur général de Bastia, premier magistrat de Lille, a-t-il demandé le départ du patron de la police judiciaire en poste à Ajaccio, Christian Civi? C'est ce qu'affirme cet article du Monde, signé Jacques Folleroux, un spécialiste du grand banditisme insulaire. On y apprend que le procureur général a écrit à la Direction générale des affaires criminelles pour se plaindre d'un problème de relation de confiance avec les deux parquets du ressort. L'article détaille les raisons de ce qui apparaît comme une défiance des procureurs vis-à-vis de la police judiciaire. Plusieurs affaires sont citées. L'une d'elles concerne Pascal Port, membre présumé de la bande du Petit Bar, filmé lors d'un procès. À plusieurs reprises, pendant la procédure, les policiers avaient affirmé ne pas savoir le localiser alors qu'ils connaissaient son logement. La deuxième affaire date du 16 juillet. Le militant nationaliste Charles Pierre était interpellé pour une affaire supposée d'abus de confiance et entendu par la police judiciaire de Bastia. Lors de la perquisition à son domicile, des armes avaient été retrouvées. Mais la procédure judiciaire risque d'être entièrement annulée pour des irrégularités commises pendant la perquisition. Sauf que ces mêmes policiers avaient laissé la procureure de la République rédiger un communiqué pour se féliciter de l'affaire. Elle a depuis saisi la police des polices pour une enquête interne. Aujourd'hui, les intéressés n'ont pas voulu réagir à l'article du Monde. Ils ne le démentent pas non plus. Le procureur général de Bastia se refuse à tout commentaire. Il l'a écrit à notre rédaction. L'affaire, en tous les cas, intervient au plus mauvais moment, dans un contexte de reprise de la criminalité dans l'île.